Il y a des moments où la solitude est un luxe, où il est très agréable de, non pas pour se retrouver soi-même, mais un petit peu pour fuir ce que les autres ne vous apportent pas ou ne vous apportent plus. Ça s'appelle domaine des esprits pour trois raisons. Peut-être parce qu'on reçoit tout de même ici des gens d'esprit. Non, ça voulait dire que c'était, elle, ça passait pour une maison hantée, parce que y avait eu un assassinat dans cette maison, et on prétendait ensuite que l'assassiné était venu sous forme de fantôme pour faire peur à son assassin. La chanson d'un vrai coq qui chante sur une prairie. Quelle est cette goutte sur la joue de cette fleur? C'est la rosée qui met partout, qui met des larmes de bonheur. Quelle est cette ardeur qui vient avec le gai printemps? Ouvre les yeux, réveille-toi, la nature a 20 ans. Ouvre ton cœur à l'amour. Ouvre ta fenêtre au jour. Laisse entrer chez toi le gai soleil et dis alia, 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 bonjour. La fleur la plus belle chante une chanson nouvelle et va t'en courir sur les... Ne cherchez pas dans les pianos ce qu'il n'y a pas. Soyez heureux d'avoir l'écho du temps de papa. Valse espagnole des années folles, ou bien sardane que l'on dansait à petits pas après le repas. Ne cherchez pas dans les couloirs. Il y a toujours ici, à côté de choses qui sont assez jolies, mais il y a toujours une pointe d'humour quand même. C'est pour ça que j'ai mis des fleurs artificielles pour garnir le jardin, et qu'il y a pas mal de copies de tableaux aussi. Du vent d'automne, mon seul ami, dorénavant. Parce que ces placards, quand j'étais enfant, m'effrayaient. Et alors j'avais l'impression que quand j'allais les ouvrir, j'y trouverais les 12 femmes de Barbe Bleue. Tante Émilie, qui était la cousine germaine de ma mère, et qu'on appelait Tante Émilie, chaque fois qu'elle disputait avec ma mère, et Dieu sait si elle disputait, elle disait, je vais me prendre à moi, je m'en vais. Et puis elle est partie au beau jour, elle est partie pour le paradis, et nous a laissé son armoire. Et alors c'était curieux, parce que c'est la seule armoire au monde dans laquelle il y a un escalier. Usant par vous-même, voyez-vous. D'abord, la fleur artificielle n'est pas aussi belle que la fleur naturelle, mais parfois on s'y méprend. Par exemple, celle-ci, voyez-vous. Oui, celle-ci est vraie. Mais celle-là est fausse, non? Ce qui est amusant, c'est que les fausses ne s'épanouissent pas. Elles restent en bouton, elles gardent une éternelle... Je voulais construire, dans la propriété, une maison pour un gardien. Seulement, il fallait qu'il y ait de l'eau. Maintenant, nous avons l'eau courante partout. Et alors, à cette époque-là, il n'y avait pas d'eau courante. Alors, je suis allé voir un sourcier, qui était un Espagnol. Il m'a dit, mais je vous la trouverai, l'eau. Je vous la trouverai, il m'a dit. Et il l'a trouvée, en fait. Mais alors, il avait une façon de procéder assez curieuse, parce qu'il n'y avait pas de baguette de coudrier. Il avait des castagnettes. Et alors, il s'est agité dans toute la propriété, comme ça, il a dansé les fantangos et le tout, avec les castagnettes. Il m'a dit, quand les castagnettes s'arrêteront, c'est qu'il y a de l'eau sous mes pieds. Tout d'un coup, il s'arrête ici. On a creusé, on a trouvé de l'eau, c'est vrai. Il pleut dans ma chambre, j'écoute la pluie de septembre qui tombe dans mon lit. Le jardin frissonne, toutes les fleurs ont pleuré pour la venue de l'automne et pour la fin de l'été. Mais la pluie fredonne sur un rythme joyeux. Tip-tap, tip-tap, tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tap, pétap, pétap, dans la nuit, c'est la chanson de la pluie. Demain le jour fleurira sur vos lèvres, mon amour, et la pluie qui calme notre fièvre sera loin, bien loin, dans la mer voguant.